Dans le cadre du centenaire de la naissance de Serigne El Hadj Major Cissé, un grand symposium sur la dimension spirituelle de ce grand érudit a été organisé à l'auditorium de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À travers la bienfaisance sublimée, des centaines de talibés venus de tous les coins de notre pays, de l'étranger, ont participé à cette grande rencontre. La leçon inaugurale du symposium a été prononcée par le professeur agrégé en droit Abdallah Cissé, ancien recteur de l'université de Thiès et fils de Serigne El Hadj Major Cissé. De célébrer le centenaire de la naissance de Serigne Major Cissé en choisissant le thème qui a été développé, à savoir la bienfaisance sublimée. Il était question tout simplement de montrer au monde et particulièrement au Sénégal une dimension de son niveau spirituel, de son parcours transpersonnel et du modèle de leadership qu'il a développé en accompagnant les fidèles sur la voie de la réalisation spirituelle. En présence de l'imam Abdallah Cissé, le professeur et frère a prolongé sa pensée sur son vénéré père. On a essayé de partager avec l'auditoire et au-delà avec la communauté sénégalaise internationale pour qu'au moins qu'on sache que c'était une figure exceptionnelle dans le monde d'aujourd'hui qui a eu un parcours spirituel également exceptionnel et dont les enseignements peuvent servir de viatique. Ce symposium a été aussi une occasion pour le professeur émérite d'inviter les fidèles à être très vigilants en vue d'éviter de tomber dans le piège, le cercle infernal et l'engrenage de la paresse et des critiques négatives qui ne font que retarder l'évolution spirituelle de l'individu.